الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين شفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a une psychose concernant quatre actions que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Et c'est lui qui les met sa 20 actions là en pratique. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit les rendre d'un paradis en sécurité. Premier, c'est fan salam. Deuxième action, donne à manger. Troisième, garde relation familiale. Et quatrième, faire la masse dans la nuit pendant qu'il m'a dit mon pédéomi. Ça, hadith là, il est rapporté par Abdullah bin Salam, radiallahu anhu. On étudiait hier, c'était un rabbin juif. C'était un rabbin juif qui, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin rendu à Medina, fin trouve un musulman pour accueillir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin trouve visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il était un rabbin, il était à connaissance concernant la Torah, il tient la connaissance concernant la religion juive qui finit prédit à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il finit trouver le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit connaître. C'est un visage d'un véridique, un celui qui cause vrai. Il finit connaître un visage qui a la lumière, qui a la nour là-dedans. Quand il finit la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il finit amène iman dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce message, et il finit accepter l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle un ayat de Coran concernant Abdullah bin Salam. Comme Imam ibn Kathir, rahimahullah, il fait mention de ce livre. Cet ayat-là qui tourne dans surah Al-Ahqaf, ayat numéro 10. Et là, une petite rectification concernant l'ayat qui nous a mentionné hier, c'est pas « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهِ » ça tourne dans surah Yusuf. « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ » et un témoin de Bani Israël, c'est-à-dire Abdullah bin Salam, fin témoigne. Fin témoigne. Et sa Coran là, c'est une vérité. Sa Coran là, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il m'a nous fait dire, les comptes Taurat. Et ensuite, il fait témoigner que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, il y a un messager d'Allah. Parce qu'il dans Taurat, il prédit la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Action qui est là avec nous, pour aujourd'hui, c'est concernant rendre visite ban malade. Dans le langage arabe, on appelle ça Iyadatul Marid. Les sorties d'un verbe, ayada, sorties d'un verbe, ada, yaoudou. Ada, yaoudou, qui veut dire retourner. Parce que, un démon, quand il y a le visite, un qui est malade, alors c'est aller venir. Un conseil appelle ça, ayada, pour le mari. Concernant, sa action-là, qui était, il nous dit, rendre visite, un démon qui est malade. C'est une obligation, c'est une action qui est recommandée, c'est une action qui est détestable. Alors, il y a un consensus parmi les savants, comme Imam, un Nawawi, fait connaître, qui est un consensus de man savant qui c'est pas une action obligatoire le man individu. C'est pas une action qui est obligatoire le chaque individu. Il y a certains man savants qui disent c'est un sunnah mu'akkada. C'est un sunnah qui est fortement recommandé. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah allait dire c'est fardu kifaya. Veut dire si un groupe du monde fait faire cette action-là, il est tombé le man les autres. Cette action-là, c'est une action qui est une grande valeur de nous dire. C'est une action qui est une grande valeur de nous dire à travers un hadith que nous pouvons étudier. Mais les malheureux nous disent que si nous pouvons vivre dans le monde, que chacun parmi nous n'est dans nos bandes, occupation, peut y a des fois, même une famille proche qui est malade, nous pas gagner le temps à le rendre visite. Nous pas avec cause voisin, nous pas avec cause camarade, nous pas avec cause une famille qui est proche, les malades, mais nous pas gagner le temps à le rendre visite. Nous occupés avec nos mêmes travail, avec nos mêmes distractions, etc. Nous pas gagner le temps à le rendre visite. Et là, là quand ça dit, mon là, fin décédé, là, là, il y a un regret dans nous, les cas, nous regretter. Ou soit nous rester à plan, je vous dis, moi, pour aller, demain, moi, pour aller. Finalement, ça dit, mon là, il y a un état qui s'adonne à aller, sans que nous finissions de rendre visite et nous chagrin. Concernant mon hadith, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait cause concernant valer, rendre visite, mon malade, hadith qui trouve un musulman que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un musulman lui rend visite son frère qui est malade, dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il peut récolter un fruit du paradis jusqu'à qu'il retourne. C'est-à-dire, prends depuis qu'il s'est dit, là, hadith qui trouve un musulman,
prend des piques de ce là, il fait al rend visite. Ça, c'est lui qui est malade là, jusqu'à lui retourner, tout ça, les temps là, il peut récolter le fruit du paradis. Vraiment, c'est une petite chose qui est une grande valeur. Il peut récolter le fruit du paradis. Et comment nous connaissons le fruit qui est dans le paradis, il n'est pas pareil que le fruit qui est dans l'eau, ça, la terre là. Son goût est l'autre, son qualité est l'autre. Comment Allah dit, autour de lui, mutashabiha. Allah subhanahu wa ta'ala, man quelque chose qui est dans le paradis, capable de trouver l'eau, ça, dunya là. Il peut ressembler. Mais seulement son goût, son qualité, il peut être l'autre. Il peut plus meilleur. Donc c'est lui qui lui a rendu visite, son frère qui est malade. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître, il y a une récompense comme s'il était récolté dans le fruit du paradis jusqu'à qu'il retourne. Et aussi connaît, c'est un parmi les droits qui nous frère et nous nous. Comme nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître, haqqul muslim ala al-muslim khams. Il y a cinq droits qui est musulman et nous en l'autre. Et un parmi ces droits-là, c'est qui, quand ça dit, la malade, nous allons les visites. Parce que la maladie, les mots qui nous réalisent cette chose-là, c'est une étape difficile dans la vie indimone. La maladie, c'est une étape difficile dans la vie indimone. Quand indimone peine à la santé, vraiment, c'est une petite chose qui vraiment n'est pas bon. Vraiment, c'est une petite chose qui indimone les des difficultés quand il est malade. Et quand nous allons rendre les visites, ça dit monde qui est malade là, il est content. Il est content, il trouve du monde pour rendre les visites. Les gourmands, les trouvent du monde, peuvent réconforter, peuvent causer une bonne parole avec lui. Mais si un démon malade nous laisse comme ça, même nous laisse sur quoi, nous laisse avec son maladie, alors ce n'a aucun doute, ça, démon là, il peut sentir une tristesse dans lui. La cause, ça qui nous dit, qui nous recommande nous, qui, quand un démon malade, quand nos frères musulmans malades, ils ont nous devoir, ils ont nous droit pour nous rendre visite. Deuxième hadith qui est avec nous, hadith qui est rapporté par Tirmidhi. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui rend visite, un démon qui est malade, ou soit lui rend visite, un frère en islam, alors un annonciateur lui fait un annonce, lui dit, qui te heureux, qui te la marche, lui béni, ça la marche, qui te fait faire pour le rendre sa démon la visite, qui ça la marche, là lui béni, et qui te gagne une position haute de paradis. Hadith, qui, quand nous finissons, les trouve dans Tirmidhi, et que Cheikh Albani fait classifier comme un hadith qui est Hassan. Imam Ahmed, il fait connaître d'un hadith, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, c'est lui qui visite un démon qui est malade, ça démon là, il gagne Allah son rahmat, jusqu'à qu'il est assisé. Et quand il est assisé, il est submergé par sa rahmat là. Et l'autre hadith, encore qu'il trouve la dernière vie. Quand Ali radiallahu anhu dit, mais fintan Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pena aucun musulman qui rend visite le matin, son frère musulman qui est malade, excepté qu'il 70 000 anges avouent bénédiction l'ouli. 70 000 anges avouent bénédiction l'ouli, ce qui arrive le soir. Grand matin, un démon malade, mon al rendu visite grand matin. Par exemple, on a l'hôpital, soit on a sur la carte, mon al rendu visite. À travers sa visite-là, 70 000 anges avouent bénédiction le mois jusqu'à arriver le soir. Comme ça même, si ça dit mon la finale fait sa visite-là le soir, 70 000 anges avouent bénédiction le lit, alors jusqu'à arriver le matin. Jusqu'à arriver le matin, et les pouvoirs gagnent un jardin de paradis. Les pouvoirs gagnent un jardin de paradis et un hadith qui est classifié comme Sahih par Cheikh Albani. Et les mots qui nous fait ressortir quand nous percours concernant rendre visite à un démon qui est malade, pas nécessairement qui m'ont obligé à rendre visite à un démon qui me connaît. Faudrait qu'obligatoirement c'est mon famille ça. Faudrait obligatoirement mon voisin ça. Faudrait une connaissance, mon désapprouvé, mon désaccord avec lui dans mon avis, il y a là qui m'ont pas rendu visite. Non. Il n'y a pas un démon qui m'ont pas connu. Par exemple, nous dans l'hôpital, on a rendu une famille visite. Mon capable en même temps, moi, le rendement les autres dimoun visite. Mon gagne droit en même temps, moi, le rendement les autres dimoun visite. Donc, nous gagne droit en visite, man dimoun qui nous connaît et aussi, man dimoun qui nous pas connaît. Sa parole là, il est rapporté par Imam al-Nawawi dans Sharh d'explication Sahih Muslim. Concernant maintenant la définition
Un djimoun malade qui nous a rendu visite. Qui veut dire un djimoun malade? Un djimoun malade, c'est celui qui est fin gagne une maladie qui lui empêche sa maladie, la empêche lui pour les joindre un djimoun. Il gagne une maladie qui empêche lui pour joindre un djimoun. Une maladie qui, par exemple, fait lui rester sur la case. Une maladie qui fait lui, les bizarres passent un séjour à l'hôpital. Mais, si il gagne une maladie, par exemple, il y a une douleur à la tête, il y a une douleur à les pieds, n'importe quel autre membre sur les côtes qui peut faire mal, mais seulement, à travers sa maladie-là, malgré qu'il y en a sa maladie-là, il peut sortir, il a besoin de mandimon, donc ce n'est pas obligatoire pour nous rendre visite. Sa parole-là, il trouve dans Cheikh Al-Mumtir, volume 5, page 171. Concernant visite une madame qui pas nous mahram, concernant visite une madame qui pas nous mahram, peine aucun péché. Pour un dimon, il rend visite à une madame qui passe au mahram, ou soit une madame, il rend visite à un monsieur qui passe au mahram, mais seulement, aussi longtemps qu'il y a une certaine condition qui est respectée. Par exemple, madame là, découvert elle bien. Madame là, découvert elle bien. Peine aucun risque de fitna. Et aussi, faudrait pas que madame là, elle est tout seule avec sa malade là, ou soit monsieur là, elle est tout seule avec sa malade là. Imam Bukhari lui dit, chapitre, il veut dire de ce livre, il y a un chapitre qui appelle chapitre, ben madame, elle rend visite, ben miché. Ou Moudarda, radiallahu anhu, une fois, il fait une rend visite, un de ben miché, un sari. Une fois, il veut dire, ou Moudarda, il fait une rend visite, un de ben miché, un sari, depuis Mazid. Ce hadith est rapporté par Aisha, radiallahu anhu. Ensuite, il rapporte un hadith de Aisha radiallahu anha qui dit qu'il fait une visite à Abu Bakr et Bilal radiallahu anhuma quand je suis malade, quand je suis fait venir dans Medina. Et Muslim lui rapporte depuis Anas qui Abu Bakr qui dit à Omar radiallahu anha après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin qui sa dunya la fin aller. Qui est Abu Bakr radiallahu anhu, qui est Omar radiallahu anhu, qui est dit, Anu al kut ummi ayman, et nous allons lui visite, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'y habite à lui visite. Donc, ça dit là, finalement, lui visite. Et Ibn al-Jawzi dit, nous sommes capables d'interpréter ça comme al rend visite. Dans une situation que pas pour une aucun la frayeur qui pourrait avoir une fitna. Par exemple, elle rend visite à une vieille madame. Concernant rend visite à un kafir, alors on connaît qu'il n'y a aucun péché pour un musulman lui rend visite à un kafir. Si à travers sa visite là, il y a l'intérêt là-dedans. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui rend visite à un garçon juif et les filles. Cause concernant l'islam, à sa garçon là, et garçon là, fin accepter l'islam, et fin vivre musulman. Comme ça même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si présent, quand ce tcha-tcha, Abu Talib, de l'eau solide l'amour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si présent à ce moment-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si vient rendre les visites, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin, cause concernant l'islam, Ali, fin faire tout pour lui accepter l'islam, mais fin refuser. Donc, une de bonnes raisons qui est capable de pousser nous pour nous rendre visite un kafir, un non-musulman, c'est nous faire da'wa avec lui. Nous cause concernant l'islam avec lui. Peut-être dans ce moment-là, il est capable de changer. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de guider lui dans ce moment-là. Et il a accepté l'islam. Est-ce que, quand nous faisons rendre visite un démon, est-ce que le visiteur nous a répété? Par exemple, on le rend visite deux, trois fois par jour, un démon qui est malade. Ou soit, tous les jours, on le rend visite. Donc, visite là, les visites, pas répétées. Il ne faudrait pas qu'il nous rende visite un démon qui est malade tous les jours, tant que ça vient un fardeau pour ce démon qui est malade là. Tant que ça vient une difficulté pour lui. Mais, l'opinion qui plaît correcte, c'est qu'il est varié d'après ma situation. Il est varié d'après ma situation. Et un démon, peut-être ça dit monde qui est malade là, c'est quelqu'un qui est cher à moi, mon maman, mon papa, mon frère, mon soeur. Donc, les bouts de man qui, dans des trois fois d'un jour, on va rendre visite.
Ou soit tous les jours, moi, je rends visite. Dans ce cas-là, les sunnas pour moi continuellement, moi, je rends visite. Aussi longtemps qu'il ça pas cause un problème à sa dimoun qui est malade là. Aussi longtemps qu'il ça pas cause un problème pour lui. Il va avoir une difficulté à travers sa visite là. Parce qu'il y a une fois, un dimoun quand il est malade, il a envie un certain moment pour lui reposer. Il a envie un certain moment que il est tout seul. Donc, tout dépend de la situation. Si dimoun là, il est content qu'il nous rend les visites souvent, les gens nous viennent, donc il n'y a aucun problème. Nous rendons les visites comme il faut en envie, nous rendons les visites tous les jours, mais ces gens-là, il paraît que quand nous rendons les visites souvent, ça devient un problème pour lui, donc nous pas à rendre les visites souvent. Et aussi, quand nous rendons les visites à un gens qui est malade, il y a certaines manières que nous devons observer. Il y a certaines manières qui nous disent, qui nous enseignent, qui nous devons observer. Parce qu'il ne faudrait pas que quand nous allons rendre visite à un démon qui est malade, nous donne lui en difficulté. Il ne faudrait pas qu'il nous donne lui en difficulté. Nous mettons difficulté là. Donc nous devons connaître. Qui vend quelque chose qui nous dit, puis nous enseigne nous. Comment nous devons comporter nous-mêmes quand nous allons rendre un démon qui est malade visite. Qui vend quelque chose qui nous a le droit de faire. Qui vend quelque chose qui nous n'a pas le droit de faire. Ça, Inch'Allah, demain, nous allons prendre concernant un adab qui nous devons respecter quand nous rendons visite à un démon qui est malade. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mettre en pratique cette action-là. Si nous sous-estimons cette action-là, nous ne prenons pas comme une action qui est une grande valeur, ou soit nous participons concernant ce récompense, ce valeur, nous participons à ce hadith-là. Donc là, nous faisons des efforts. Nous faisons des efforts qui, quand un démon malade, nous allons rendre les visites. Nous allons rendre les visites avec l'espoir, premièrement, pour nous gagner sa grande récompense, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire mention de sa hadith là, et aussi avec comme objectif pour nous réconforter sa dimoun là, pour nous capables de porter sa dimoun là sous souffrance, sous douleur. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasoulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.